Oui, bien bonjour, Viviane. Alors voilà, Viviane, nous sommes en compagnie de François. C'est un violeur de Zizi Tata, du Beauclin. Alors, il va nous dire quelques. Alors, ben bonjour, François. Comment ça va? Ça va, même si ça est un petit peu difficile aujourd'hui, puisqu'on a été obligé de récupérer une ancienne yole. Et on a fait avec aujourd'hui, et avant d'arriver, on a eu un petit souci, on a coulé, mais on a dit qu'on allait jusqu'au bout. Donc l'idée, effectivement, c'est d'aller jusqu'au bout par rapport aux sponsors, Pizza des Îles, Caprif, voilà quoi. Et aussi pour notre présidente, Madame Montabor, on a dit effectivement qu'on redonne à fond quoi, pour faire les étapes. Mais malgré les moyens, les peu de moyens dont on dispose, mais les gars sont motivés et ont envie de poursuivre. C'est très important d'être motivé et de montrer de quoi vous êtes capable malgré les voies que vous avez. Oui, tout à fait. Et puis en plus, on a le. On a les supporters, enfin la ville du Beauclin qui nous aide, les Beauclinois, même les Martiniquais qui sont derrière nous. Mais c'est vrai qu'on est une petite yole, mais on essaie effectivement de faire quelque chose d'intéressant sur ce tour des yoles, avec les moyens. Oui. Alors, donc, pour demain, comment tu envisages? Ben, on fera un débriefing plus tard, on verra. Demain, ça sera la montagne, comme on dit. Il faudra effectivement réfléchir sur le choix de voile et puis voir comment on va s'en sortir. Voilà. Donc, on est content de t'avoir rencontré. Moi de même. Alors, donc, c'est Ali FM, d'accord. Enchanté, ben ça me fait super plaisir de vous voir et puis d'échanger avec vous et voilà. Merci à vous. Oui. Au plaisir. Voilà, vous me donnez la suite. Voilà, j'espère que tout va mieux fonctionner qu'aujourd'hui. Grâce à Dieu. Que bien, pas mal. Merci beaucoup. Au revoir. Eh mais c'est galé. Regarde,